Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier, mercredi 12 janvier 2022, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 12h15 au palais de la présidence à Abidjan sous la présidence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Le conseil a adopté deux projets de loi. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux. Le conseil a adopté un projet de loi pour en création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, en abrégé ONICI. Dans nos prochaines éditions, le compte-rendu de notre reporter Jérôme Kofi Abola. Et puis la Côte d'Ivoire qui renforce son dispositif de lutte contre la corruption, un projet de loi bientôt sur la table des députés. Le texte vise à se conformer aux dispositions et accords signés en matière de création d'un organe juridique pour adresser justement les crimes économiques, notamment liés au blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, la corruption. Avant d'analyser le projet de loi, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, conduits par leur président Abdoulaye Ben Meïté, se sont rendus au pôle pénal économique et financier du parquet d'Abidjan pour comprendre son fonctionnement. Et puis une semaine après leur déguerpissement des lieux qu'ils occupaient à Anador, à l'entrée de la commune d'Abobo, les artisans ferrailleurs de cette commune regagnent leur site de recasement et qui est situé donc à la casse de Ndotré dans la même commune. Une décision qui fait suite à un accord trouvé entre la ministre d'État Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, et les artisans en ferrailleurs. Reportage Franck Wadio. Il a été déguerpi des lieux qu'il occupait à la casse d'Anador, à l'entrée d'Abobo. Kassoum s'est rendu aujourd'hui sur le site de la ferraille de Ndotré, un site de recasement pour remplir des formalités en vue de l'acquisition de nouveaux magasins. Je suis venu me faire recenser encore un nouvel truc encore. Parce que ceux qui étaient là en vendue ne sont plus là. Ceux qui ont les payés en vendue ne sont plus là. Donc, le nouveau autorité qui sont là maintenant, c'est par rapport à ça. On est venu se mettre en jeu avec eux. Ce qui reste à payer, là on paye ça. Comme lui, nombreux sont les artisans ferrailleurs qui ont décidé d'occuper les magasins disponibles sur le site de la casse d'Abobo Ndotré. Une décision qui fait suite à un accord entre ferrailleurs et autorités municipales après plusieurs jours d'échanges. Nous lançons un appel vraiment massivement aux nos compatriotes pour qu'ils puissent venir regagner leurs magasins. Il y a des magasins disponibles. Vous voyez, donc ces magasins-là, ils sont là pour nous les artisans. Même si on est plus que ces magasins, Madame la ministre prendra les dispositions pour écaser tout le monde. Il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas d'opposition. On s'est mis tous d'accord hier pour que cette semaine-là, vraiment, tout le monde soit là. Madame la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara. Son objectif aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du mal, c'est juste pour changer l'image d'Abobo. Si des efforts sont faits pour accueillir l'ensemble des 3000 ferrailleurs déguerpis, le nombre de places disponibles reste insuffisant, avec 1300 magasins. Cependant, la promotrice de la casse de Ndotré rassure quant à la construction de nouveaux magasins dans les prochains jours pour combler le déficit. Ceux qui ont des magasins, qui peuvent faire des moteurs, nous pouvons rapidement construire des choses. Nous avons notre équipement qui sont déjà en place. On a tout en place. Nous sommes prêts pour bâtir encore des magasins très rapidement, en moins de 15 jours, pour remettre à ceux qui ont besoin de gros magasins. Pour un magasin de 12 mètres carrés de superficie, les ferrailleurs devront débourser la somme de 1 million de francs CFA payable en 4 mois avec un apport initial de 250 000 francs en vue de son obtention définitive. Dans l'actualité internationale, levée de la suspension de Twitter au Nigeria, le gouvernement l'a annoncé hier dans la soirée. La décision est effective donc, selon les autorités. Après plusieurs mois de négociations, Twitter a accepté toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral, à savoir les questions liées à la taxation et à la gestion des contenus, rappelant que le réseau social avait été suspendu il y a 7 mois. Il était soupçonné d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérien, ainsi que de tolérer sur sa plateforme les messages d'un chef du groupe séparatiste incitant à la violence dans le sud-est du pays. Et puis le tennisman Novak Djokovic au tableau de l'Open d'Australie, mais toujours expulsable. Le ministère de l'Intégration de l'Immigration australien continue de faire planer la menace d'une annulation de visa pour Novak Djokovic. Le joueur de tennis est pourtant bien inscrit donc au tableau de l'Open d'Australie qui démarre le 17 janvier prochain. Le suspense va durer encore un peu à Melbourne. Le gouvernement australien ayant annoncé que concernant le visa de Novak Djokovic, il ne prendrait pas de décision ce 13 janvier.
du côté du Kazakhstan. Les forces menées par la Russie ont lancé leur retrait de ce pays où elles avaient été dépêchées pour soutenir le pouvoir en place face à des émeutes sans précédent. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe de la Défense, une cérémonie solennelle réunissant les soldats de l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, l'alliance militaire menée par Moscou, qui ont participé à l'opération a eu lieu à cette occasion dans la matinée à Almaty, principale ville kazakh. Et puis à présent, ce bref rappel de ce qui a constitué l'actualité pour ce qui concerne bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient du côté du Cameroun. Hier, plusieurs rencontres étaient à l'ordre du jour. Nous avons eu la rencontre entre la Tunisie et le Mali. Les Aigles du Mali se sont imposés à l'équipe tunisienne et puis la Gambie qui s'est imposée à la Mauritanie et les éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont imposés devant l'équipe de Guinée équatoriale. À présent, à l'affiche de cette journée de ce jeudi 13 janvier 2022, à 16h, Cameroun-Éthiopie et à 19h, vous aurez la rencontre Cap-Vert-Burkina Faso. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.